famille ne jouera pas. L'ancre de mon âme. Yes. Il ne joue jamais. Il ne joue jamais. Mon espoir. Seigneur, tu ne joues jamais. Tu es ma force. Tu es ma force. De mon âme. Tu ne joues jamais. Tu ne joues jamais. Mon espoir. Mon espoir. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Jamais. Acclamons très fort le Seigneur. Dieu n'échoue jamais. Ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Il n'a pas échoué avec Abraham. Il n'a pas échoué avec Isaac. Il n'a pas échoué avec Jacob. Mais ce n'est pas avec toi qu'il va échouer. Tu dis amen, que Dieu te bénisse. Tape ton voisin, dis-lui. En respectant le geste barrière, dis-lui, ma famille n'échouera jamais. Que Dieu vous bénisse. Père, ta présence est au milieu de nous. Nous voulons que tu nous accompagnes encore. Ce n'est pas nous qui t'amenons, mais c'est toi qui nous amenons en ce lieu. Nous sommes prêts à vivre ta gloire. Il y a des questions sans réponse. Il y a des questionnements qui veulent être répondus. Mais nous comptons sur ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous disons amen. Amen. Clamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci à notre papa, le pasteur Ken. À maman Nathalie. À maman Nathalie. À toute l'équipe. L'équipe de pasteurs, le staff, pasteur Christian. Dernièrement, il était chez nous, il nous a fait beaucoup de bien dans une dimension de extraordinaire. Merci à vous qui êtes présents. J'aimerais aussi dire que je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse. Est-ce qu'elle peut se tenir debout? Si je dois résumer tout d'elle, c'est qu'elle m'aime. C'est rassurant de savoir que quelqu'un t'aime. Pas n'importe quel quelqu'un avec qui vous faites toute la vie. Vous faites le chemin de la vie. Elle, c'est les derniers coussins. Je sais que quelqu'un a dit Ndessa les locaux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le thème, Mama, ce séminaire, ce programme a commencé depuis un mois. Je salue aussi tous les hommes de Dieu qui m'ont accompagné, berger Serge, berger Hiram, berger Jerry, maman Sarah, que Dieu vous bénisse, le frère Grady Alala, que Dieu vous bénisse. Le thème qui nous avait été donné, étant mes limites, Mais pendant que je priais, le Seigneur a déposé un sous-thème dans mon cœur. Et nous allons développer ces sous-thèmes pendant toute cette semaine. Et le sous-thème, c'est les batailles négligées.
Maman, les camarades m'ont dit d'aller bitumba au tous au canapé. Dis à ton voisin les batailles négligées. Ils sont des gonzes pémés, bitumba tous au canapé. Ah, les batailles négligées, bitumba tous au canapé. Maintenant, dis en anglais. I don't know how to speak English. Tout ce que tu connais, Abola is going to school. Il faut apprendre l'anglais. J'étais en train de prophétiser pour un frère. Je dis, Dieu me dit, il faut que tu apprennes l'anglais. Na ling anglais t'es. Faut aimer la langue. Vous tous qui n'aimez pas les profs d'anglais, commencez à aimer l'anglais. Je vous propose des textes. Jérémie chapitre 48, les versets 11. Jérémie. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est-il réservé. Et son odeur ne s'est-elle pas changée. C'est pourquoi voici les jours viennent. Où je lui enlèverai des gens qui les transverseront. Ils videront ses vases, ils feront sauter ses outres. Moab aura honte de Kemosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel, qui la remplissait de confiance. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9. Jaébé était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je voulais vous parler de quelque chose. Pourquoi Moab ne connaît pas la guerre? La Bible dit, dans une autre version, dit Moab était sans souci. Il était calme sur sa lie. Il ne s'inquiétait de rien. Tout était rose. Tout marchait bien. Mais à un moment, il y a comme une sentence qui veut s'abattre sur Moab. Aujourd'hui, je vais ouvrir une brèche pour dire à quelqu'un, il est important de connaître l'histoire de sa famille. Dis à ton voisin, il est important de connaître l'histoire de sa famille. Quelqu'un comme Moab ne doit pas rester calme. Moab, c'est quelqu'un qui devait chercher vraiment Dieu. Moab, c'est quelqu'un qui ne devait pas jouer. C'est pas quelqu'un qui devait dormir. Donc il connaît son combat. Alléluia. Et la première chose que je voulais que vous puissiez connaître et que c'était important pour Moab de connaître, ce sont ses origines. Alléluia. La première chose que je voulais que vous puissiez connaître sur Moab, c'est que l'histoire de Moab est liée à une histoire d'inceste. Je suis dans Genèse chapitre 19. Quelque chose se passe à Sodome. Dieu décide de mettre fin à Sodome. Le péché de Sodome est monté jusqu'à Dieu. Et Dieu décide de brûler Sodome et de mettre fin à l'histoire. Mais Dieu va sauver quelqu'un qui s'appelle Lot. Et cette personne que Dieu a sauvée, elle n'est pas sortie seule, elle est sortie avec ses deux filles. Et quand il est sorti avec ses deux filles, ils vont arriver dans un milieu qu'on appelait Soa. Ils vont arriver à Soa. Et quand ils arrivent à Soa, les habitants le rendaient
responsables de ce qui s'est passé à Sodome. Ils craignaient un jugement supplémentaire. Parce que les gens qui étaient dans cette contrée disaient, c'est vous qui êtes à la base de ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe. Alors, ils craignaient un jugement supplémentaire. Alors, ils sont allés quelque part. Regardez, quelque chose de pas bien se passe. Quelque chose d'anormal. L'une des filles de Lot, elle prend une pensée pour dire, comme il n'y a pas d'homme dans cette contrée, nous allons donner la boisson, nous allons enivrer notre père afin que la nuit qu'il couche avec nous et que nous puissions porter les enfants. Et sa première fille, elle va faire ce qu'elle avait dans sa pensée. Et puis elle va coucher avec son père cette nuit-là. Son père ne savait rien de ce qui s'est passé. Elle va tomber enceinte. Et elle va mettre au monde un enfant qu'elle va appeler Moab. Sa cadette refait le même acte. Mais qu'est-ce qui pousse ces jeunes filles à commettre cet acte? Selon les commentaires bibliques, on dit c'est parce que leur pensée était corrompue par rapport à ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe. Chers frères, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es devenu chrétien et que tu as cru au Seigneur, il y a des endroits que tu ne dois plus fréquenter. Ne faut pas aller ce que tu as reçu dans la prière, mais tu vas aller les fêter dans une boîte de nuit. Ce que tu as reçu dans la prière, tu vas le fêter dans un bar. C'est malheureux de voir quelqu'un qui vient le matin prier, chercher Dieu. Après, Dieu exauce sa prière. Mais quand vous regardez son entourage, quand vous regardez les milieux où il évolue, le problème c'est que même si, quand tu es chrétien, il ne me faut même pas aller boire coca dans un bar. Oh non, papa, moi je prenais que le sucré. J'étais en train de parler avec un pasteur. Ce pasteur est à Goma. J'étais en train de parler avec ce pasteur. Je suis entré chez lui. Il m'a bien accueilli avec son épouse. Il me dit, tu vas prendre du vin, tu vas prendre du whisky, tu vas prendre du champagne. J'ai dit, non, je ne bois pas, je ne bois pas ces histoires. Il me dit, oh, vous ratez les choses. Il dit, non, même au ciel, Dieu va s'étonner. Vous n'avez pas bu, pourquoi? Dieu même va dire, ce n'était pas un péché, mais pourquoi vous n'avez pas bu? Il a commencé à me bombarder avec des versets. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, tout texte que tu prends hors son contexte devient un prétexte. Alléluia. Tout texte que tu prendras hors le contexte, ça deviendra un prétexte. Il m'a donné tous les passages bibliques. J'ai dit, moi, depuis que je suis né, je ne bois pas. Le seul vin que j'ai goûté, c'était le vin de la Sainte Seine. Mais il dit, mais vous ratez des choses. J'ai dit, j'accepte de rater des choses. Mais moi, je ne bois pas. Ok, bah, ils m'ont servi un sucré et puis c'est parti. 6 mois après, il va me rappeler. Je reviens à Goma. Je vois le pasteur venir me voir avec des larmes aux yeux. Il me dit, prophète, j'ai décidé d'arrêter. Et moi, ça m'a étonné. J'ai dit, oh, pourquoi vous arrêtez aussi? Tu as déjà arrêté de boire. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, prophète, je me suis rendu compte dans mon église, tous les jeunes sont devenus des ivrognes. Tous les jeunes sont devenus des ivrognes. Et ils disent, ce qui m'a fait encore plus mal, c'est que le chef de la chorale était en train de chanter,
mokambi ya chorale bande ko yemba. No le kopa suka. Après il tombe par derrière. Pa koi na sima. Et on vient prier pour lui, on sent qu'il était ivre. J'ai tout simplement dit à ce pasteur, il y a des batailles que tu as négligées. Au fait, toi tu prends ça comme un plaisir. Mais tu ne savais pas que c'était un combat de ta famille. Alléluia. Je parlais avec une maman, elle est non loin d'ici. La différence avec son fils, cadet, c'est que son fils boit dans un bar, mais elle boit à la maison. La différence, c'est que son fils, on l'a le samedi et à dimanche, on le ramène toujours dans une civière. Donc quand il boit là, il boit vraiment comme... Il boit jusqu'à boire. Jusqu'à ce que l'alcool puisse le boire. Et quand on le ramène le matin, la maman va appeler, dit, prophète Nassani, na moano. J'ai dit, le problème c'est que, qu'est-ce que vous choisissez à léguer à vos enfants comme héritage? C'est vrai, nous sautons, nous crions. Mais qu'est-ce que vous voulez léguer à vos enfants comme héritage? Mais avec quelle intention tu as les bouteilles de whisky dans ta maison? Oh non, moi je ne bois pas, c'est pour les visiteurs, c'est bien. Mais quelle est l'image que tu donnes aux enfants? Alléluia. Tout le monde sait que dans mon mariage, il n'y avait même pas une bouteille d'alcool. De toute façon, c'est mon mariage. Que vous le vouliez ou pas, c'est mon mariage. Est-ce que c'est ton mariage? Oh non, mes oncles se sont fâchés. Oh, vous pensez que tout le monde est pasteur? C'est que nous devons montrer à ces gens-là de quel, d'où nous venons et où nous allons avec Dieu. Alléluia. Je parlais avec une sœur. Regarde le type de bataille négligée. Je parlais avec cette sœur. Je lui ai donné une prophétie. Je me rappelle très bien, c'était à la montagne. Je lui ai dit, Dieu me dit, 2020 ne passera pas. Tu vas te marier. Et ce jour-là, elle était venue avec son fiancé. En tout cas, Dieu m'a dit, c'était clair, noir et blanc. C'était une vision en couleur. Canal Plus. Alléluia. 2021, on arrive 2021. Ils ne se sont pas mariés au mois de mars, ils vont revenir. Ils sont venus me voir, me dit, prophète, nous avons trois questions. La première question, nous voulons savoir, c'était toi ou c'était Dieu? J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais tu nous avais dit qu'on allait se marier. Mais on ne s'est pas marié, pourquoi? Et deuxième chose, c'était ton sentiment ou ton consentement? Troisième question. Dieu t'a-t-il réellement dit? Ou ce jour-là, tu voulais seulement nous faire plaisir? J'ai dit, je vais recevoir le mardi, revenez, on va prier. Mais ça m'avait vraiment dérangé, au fait. Et puis, on va prier. Et ils sont revenus le mardi, très tôt le matin, on a commencé à prier. 15e minute. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? 21e minute, je n'oublie pas. Je vois clairement une vision passer. Je vois une chèvre mâle et une chèvre femelle en train de s'accoupler. J'ai dit, ces gens ici jouent avec moi. Relevez-vous. Relevez-vous. Mettez-vous. Alléluia. Si vous n'avez pas vu la main de Dieu, c'est parce que ce jour-là, vous avez dormi ensemble. Vous savez, l'homme a fait les droits constitutionnels. Il a commencé à sortir les articles de la Constitution. Vu les droits de l'homme,
On ne parle pas directement aux gens comme ça. Mais c'est là où j'aime les, c'est là où j'aime les sœurs et les mamans. Elles n'ont pas dans leur cœur là. Ce n'est pas une banque. Elles parlent. Il dit papa, moi je vais parler papa. Oui, moi je vais parler papa. Le même jour tu nous as donné la prophétie, on a dormi ensemble pendant une semaine. Ma question est celle-ci. Le problème, c'est toujours le prophète qui a un problème ou c'est vous qui recevez la prophétie qui vous avez un problème? Parce que pour que la prophétie s'accomplisse, il faut que vous compreniez aussi qu'il y a des choses qui doivent accompagner cette prophétie. Les gens accusent le prophète pour rien. Mais ils sont aussi responsables des échecs de certaines prophéties. Frère, si on te dit que 2020 ne passera pas, hey, sachez-le très bien que c'est une prophétie qui va expirer à la fin de l'année. Toi, tu as un combat dans le domaine du mariage. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui doivent tout simplement régulariser leur mariage. Arrêtez de nous dire que vous voulez vous marier parce que vous êtes déjà marié. Venez régulariser, c'est tout. Ah, je vois, vous êtes fâché. Oui, parce qu'il faut seulement venir régulariser. Parce que vous vivez déjà comme les mariés. Les gens n'aiment pas ça. Mais quelqu'un dit, prêche papa. Quand tu sais que tu as ce combat de mariage, c'est que tu ne dois pas jouer. Tu ne dois pas jouer avec la sexualité. Alléluia. Je disais à une sœur, chaque fois que tu vas rencontrer, elle me dit, chaque fois que je rencontre un fiancé, dès que nous passons à l'acte, cette relation ne va pas aboutir. Je dis ça, ça ne demande même pas aller à l'école théologique. Ça demande seulement d'être intelligent dans la vie. Il faut comprendre que c'est une bataille qu'il ne faut pas négliger. Alléluia. Amen. Je sais que quelqu'un est en train de dire, papa, nous on veut seulement la prophétie. Il n'y a pas de prophétie d'abord. Il faut que les choses entrent d'abord dans nos cœurs. Tu as tellement incarné, rempli de prophéties et de prophéties. Maintenant là, il faut que tu regardes aussi quelle est ta marche. Un frère était en train de me dire, une prostituée à Goma. Elle s'est prostituée, reconnue, réputée. Les jours, elle arrête la prostitution. Le lendemain, c'est Marie. Et la sœur qui était là à côté dit non, Dieu est injuste. Comment expliquer cette femme, cette prostituée? Nous tous, nous connaissons que c'est une prostituée. Dieu fait grâce à qui il veut. Et je crois que ce matin, Dieu te fera grâce. Aucune bataille que tu as négligée ne va refaire surface. Alléluia. Et il faut que tu sois conscient. Il faut que tu dises, tu sais très bien que vous avez des combats dans les finances. Le petit travail qu'on te donne, tu dois être honnête dans ce travail. Il y a des fois on a du mal à recommander certains frères au travail. Parce que tu regardes ton image, tu regardes ces frères ici, s'il part là-bas, est-ce qu'il va garder la race? J'aime quelqu'un qui dit, je ne trahirai pas la race des élus. Nous devons porter l'arche. Mais nous devons garder aussi Dieu. Ouais, il y a des gens qui ignorent tout simplement leur combat. Moi, je sais très bien que mon père était polygame. Ces domaines-là, je ne joue pas. C'est-à-dire, tu sais très bien que tu viens d'une famille polygamique. Mais toi, tu es seulement, ça va? Tu dors déjà? Mais tu sais, il est 1h. Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il commence à voler? Elle, c'est une sorcière. À 1h du matin, tu ne dors pas. Et toi alors? Toi, tu... Surtout tous les frères là qui disent aux sœurs, ils disent, quand je ne te vois pas, je ne mange pas. Ce sont les gens qui mangent des gros foufous.
Alléluia. C'est-à-dire, il y a des gens qui doivent tout simplement être conscients d'où ils viennent. Et il y a des choses avec lesquelles ils ne doivent même pas jouer. Il y a des choses avec lesquelles ils ne doivent même pas badiner. Et cette légèreté de choses, tu ne sais pas d'où tu viens. Ouais, il y a des gens, quand vous le voyez à l'église, ça c'est vraiment la main de Dieu. J'aime ce que le pasteur Roland avait dit un jour. Ne change jamais les profils qui avaient fait que Dieu te bénisse. Il y a un profil qui a fait que Dieu te visite. Et quand Dieu va te visiter, oh, j'aimerais annoncer à quelqu'un, ne change pas les profils. Ne change, dis à ton voisin, ne change pas les profils qui avaient fait que Dieu puisse te bénir. Alléluia. Et toute cette semaine, nous allons faire une étude comparative avec Jaébet. Je vais vous dire 5 batailles négligées dans une famille. La première bataille que nous négligeons dans notre famille, mais que Jaébet n'a pas négligée, c'est la bataille de l'instabilité. Bataille de l'instabilité. Bataille oya kozanga boselingui. Et dans la bataille de l'instabilité, et en lisant cette parole, en lisant la Bible, de 1 Chronique chapitre 4, le verset 9, et la maman de Jaébet dit, il s'appelle Jaébet parce que je l'ai enfanté dans la douleur. C'est en lisant la parole de Dieu que je me suis posé la question, qui a causé la douleur de la maman? Qui a causé la douleur de cette maman? Est-ce la maternité? Parce que quand on parle de l'histoire de Jaébet et de sa mère, on ne cite pas son père. L'une des batailles de l'instabilité dans une famille, c'est que le diable touche aux parents. Frère, je sais ce que c'est être un enfant orphelin. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il est important de prier pour ses parents. Imaginez que on parle de l'histoire de Jaébet, mais on ne parle pas de son père. Mais qui a causé la douleur? Est-ce l'absence du père? Et demain nous allons reparler de bataille de l'instabilité. J'étais en train de dire dernièrement à ma femme, je suis en train de finir. Des fois, on se lève le matin, on se dit c'est le week-end, on va au restaurant avec les enfants. Et puis on part, on mange ensemble avec les enfants. Et je dis à ma femme, je n'ai jamais connu m'asseoir avec un père biologique en train de discuter, en train de manger ensemble. Tu sais la perte d'un papa, d'un père, tu sais combien ça, c'est une douleur pour la famille, mais tu sais combien ça déstabilise la famille. S'il y a des parents en ces lieux, j'aimerais dire aux parents, ne mourrez pas. Vivez. Alléluia. Amen. Moi j'ai des enfants, ils demandent tout. La dernière a même demandé l'avion. Mais si j'ai l'argent, je vais acheter l'avion. Parce que moi je n'ai pas connu ces choses. Mais eux ils diront à leurs amis, notre papa nous a amené dans un restaurant. Arrêtez de dire toujours, restaurant. Oui, allez dépenser, ce sont les enfants. Okay, vous ne savez pas ce que c'est la présence des parents autour des enfants. La plupart d'enfants qui ont réussi dans la vie, ils ont été entourés par leurs parents. Nous, c'était sauf qui peut.
C'est comme ça qu'un jour je vais au supermarché, j'achète deux boîtes de céréales. Ma femme me dit, il y a encore une boîte de céréales, tu ajoutes encore deux boîtes. J'ai dit non, l'autre là c'est pour le bébé, mais l'autre là c'est pour moi. Vous savez pourquoi? Il faut que je récupère les années. Mais c'est solo. Alléluia. Amen. Oui, est-ce que c'est mal? Et je récupère les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques et les gazams. Est-ce que c'est un péché de prendre le cerélac? J'en prends et je regarde, je dis, oh, l'Éternel est bon. Quand l'Éternel ramena le captif de Sion, c'est comme ceux qui font un rêve. Frère, il arrivera dans la suite de temps où tu vas commencer à prendre les laits, tu commences à jouer avec les laits, mais les années passées, tu ne connaissais pas ce lait. Alléluia. Je finis, un ami m'a dit, moi quand je prends le lait, les ventres me dérangent. J'ai dit, papa, tu n'es pas habitué. Oui, il faut commencer à prendre le lait régulièrement, même les ventres vont s'habituer. Alléluia. Amen. Je prie que le Seigneur restaure la vie de quelqu'un. Tu dis amen, que le Seigneur te bénisse. Tu dis amen, que le Seigneur soit avec toi. Cette année est une année de restauration. Cette année n'est pas une année d'échec. Je déclare que ta famille n'échouera pas. Si tu es venu ce matin en ce lieu, ta famille n'échouera pas. Si tu dis amen, que le Seigneur entende, que le Seigneur te réjouisse, il n'y aura pas d'instabilité. Je parle aux parents qui sont vivants. Ne mourrez pas. Restez à côté de vos enfants. Restez à côté de vos arrière-enfants. Voyez des générations futures. Ne soyez pas déstabilisés par la mort. Ne soyez pas déstabilisés par un esprit de mort. Je déclare ce matin que tu ne mourras pas. Tu seras comme Siméon. Siméon a vu ce que Dieu lui avait promis. Je déclare que ton nom n'est pas sur la liste. Même si tu sens des choses, mais tu n'es pas sur la liste des gens qui vont mourir cette année. Tu dis amen, que Dieu te bénisse. La Bible déclare, dans le Père il y a la vie, et il a donné la vie au Fils. Or le Fils vit en nous. Si le Fils vit en nous, nous avons la vie. Nous avons la vie présente. Nous avons la vie éternelle. Je déclare que la vie de Dieu entre en toi. Que les Zoé de Dieu entrent en toi. Là où la mort voulait frapper. Même si l'ange de la mort sur qui l'avenir. Mais à cause de ta présence sur cet avenir, je déclare qu'il soit chassé. Au nom de Jésus. Que tu vives la main de Dieu. Que tu vives la paix et la joie. Que tu vives cette matinée de gloire. Ta présence en ce lieu n'amènera pas l'instabilité. Tu ne laisseras pas tes enfants. Tu ne laisseras pas vivre tes enfants seuls. Tu vas les élever jusqu'à voir leurs petits-enfants. Tu dis amen, que Dieu bénisse ta postérité. Tu dis amen, que Dieu bénisse ta maison. Tu dis amen, que Dieu bénisse ta vie. Tu dis amen, que Dieu bénisse ta santé. Tu dis amen, que Dieu bénisse ton mariage. Tu dis amen, que Dieu bénisse ton mari. Tu dis amen, que Dieu te bénisse. J'entends un nom comme Kabea. 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 Maman, vous allez bien? Vous êtes mariée? Avancez. Je suis en train de faire une vision où je suis en train de voir une femme en train d'allaiter. Tu as un bébé. Tu sais que le combat qui était sur ce bébé, le Seigneur vient de faire partie. Ça j'aime. Wow. Dieu me dit ceci. Même le combat qui s'était levé sur ton mariage, le Seigneur vient de te donner la victoire. Mais c'est comme si vous étiez dans un programme, c'était comme une prière de nuit.
Oui. Mais c'est dans cette prière de nuit que le Seigneur t'avait donné cette victoire. Comptez cette semaine. Il y a une restauration dans le travail de ton mari. Et quand je te regarde, je vois on est en train de remettre une Bible à ton mari. C'est toutes les prières que tu faisais sur lui. Le Seigneur a accompli ses prières. Alléluia. Amen. J'entendais le nom de Kabea. On peut se tenir debout. On va prier pendant une minute. Devez juste le deux mains. Mais que tu dises à Dieu, je refuse toutes sortes d'instabilités. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Bandako bondela. Commencez à prier. Bondela. Commencez à prier. Bondela.